Le parti de Mantoue, Beaupoint de Valeureux, Don Rodrigo de Narvaez, Espontion, fils légitime d'Amadis de Gaulle, Florismar Tircani, le géant Jacques Duchesne, le géant Villaré, le géant Montafilando, le prince des Asturies, Roland de Roncevaux, Galaor le bien-aimé, le roi Arthur, le roi de Micomicon, princesse Micomicona, Énéas l'intrépide, Didon la désespérée, l'enchanteur Gaston et l'immaculé Dulcinée du Toboso. De terroriser mes ouailles comme il fait. Que voulez-vous dire? Parlez, mon enfant. Yeah.
Père Grégoire. Puis tout d'un coup, il y a ce monsieur Kiano qui s'est dressé devant moi comme un épouvantail. Fait que j'ai dit qu'il s'en aille, que j'avais pas de temps à perdre. Fallait que je finisse mon travail avant la nuit. Mais il s'est approché. Fait que moi, j'ai reculé. Va-t'en! Va-t'en de là! J'ai dit, mais il avançait. Puis il avançait. Il avait les yeux brillants comme un diable. Du coup, j'ai pris ce que j'avais sa main, mes patates. Allez-vous-en! Allez-vous-en, mon tifo! J'ai dit en lançant mes patates. Il en a reçu une tout droit dans le front. Fait que, imaginez-vous ça. Il l'a ramassé. Puis il a commencé à se frapper avec, dans le ventre, sa poitrine, sa tête. Même quand il a éclaté sur le front, toute pleine de jus, elle devait être pourrie. Du coup, j'ai pris peur. Je me suis sauvée. J'ai entendu qu'il criait en courant comme un fou dans la campagne. Et qu'est-ce qu'il criait? Toujours les mêmes choses, les mêmes mots. C'était bien effrayant. Mais quoi? Dulciné! 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 Oui! Du Tommaso! Hein? Mon pauvre oncle est devenu dément. Ça doit être une crise de délire profond. De concupiscence sénile, vous voulez dire? Ça devait arriver. Il fallait que ça arrive. Ça n'avait plus de bon sens. Tout le jour à bricoler dans la vieille étable et la nuit à lire ses livres. Il barrait la porte à double tour et je l'entendais. Qui trafiquait? Qui trafiquait? Il poussait des soupirs. Il déclamait des vers. Il chantait même des chansons. Des fois, j'avais comme impression qu'il priait. Qu'il priait le diable. Voilà plus de 6 mois qu'il n'a pas mis les pieds à l'église. Voilà. Oh. Rien. La porte est grande ouverte, mais l'étable est vide. La vieille picouille a disparu. Vous croyez qu'il aurait pu réussir à la remettre sur pied? Ben, c'est possible, j'ai vu des traces dans la boîte. Allons donc. Elle n'a pas marché depuis 10 ans, voyons. Le diable. Le diable, je vous dis. Il faut le rattraper. Rattrapons-le vite, avant qu'il ne commette d'autres folies. Oui, oui. Non! Il ne faut pas contrarier la maladie. Le délirium doit passer, et souvent se termine, par une phase que nous appelons égarement déambulatoire. Notre malade n'ira pas bien loin. Le grand air lui rafraîchira les idées. Il reviendra de lui-même, reprend sa place parmi nous, ayant fait l'expérience de la réalité brutale. Dans son cas, il n'y a pas de meilleure médecine. Nous devrons seulement l'accueillir à son retour, comme si de rien n'était. Et surtout, surtout, ne faire aucune allusion aux tortures qu'il aura lui-même infligées. N'est-ce pas bien cruel? La médecine, ma fille, la médecine doit parfois se servir de la cruauté. La sainte religion de même. En tout cas, tous ces livres, je les jeterai à la poubelle avant longtemps. Antonia, aide-moi à arranger tout ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Retournez à vos patates, ma chère enfant. Et priez. Du ciné du Tobosso. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le curé? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Que dans le livre où un jour seront relatés mes véridiques exploits, le chapitre qui comptera cette première sortie que je fais ce matin ne commence en ces termes. À peine le soleil avait-il étendu sur la surface de la terre immense les tresses de sa chevelure. À peine les petits oiseaux, nuancés de 1000 couleurs, avaient-ils célébré de leur chant la venue de leur or aux doigts de rose, qui, délaissant la couche de son jaloux mari, se montre aux mortels du haut des balcons de l'Orient. Que le vaillant chevalier, Don Quichotte à la main, c'est moi, s'étant arraché à la douleur oisive du duvet, monta sur son fameux cheval, Rocinante, et prit la route à travers la plaine montière,
au cœur de la brûlante Espagne. Oh, siècles à venir, je vous salue et vous proclame heureux, vous qui aurez la gloire insigne de conserver éternellement l'éternelle mémoire de mes prouesses. Et toi, qui que tu sois, sage enchanteur destiné à devenir le chroniqueur de cette merveilleuse histoire, vous tous, artisans et témoins de mes futures incarnations, je vous livre mon âme et mon nom, laissant fantaisie à chacun de les parer des couleurs, traits, gestes et déguisements qui m'y plairont. Car dans ce monde de vérité où je m'engage, les formes du réel, passagères et fortuites, ne saurait affecter mon être. Mais dans cette ardente rencontre, je vous en prie, n'oubliez pas mon bon Rocinante, le compagnon de toutes mes courses et de tous mes voyages. Oh, princesse Dulcinée, une grande injure vous m'avez faite en me donnant congé, en m'enjoignant de fuir votre présence inestimable. Daignez, madame et souveraine, garder souvenance de ce cœur qui souffre tant de peine et tant d'angoisse pour l'amour de vous. Ah, comme l'avait prévu mes livres, le sort me favorise puisque j'aperçois le chaton à quatre tourelles, où, par la grâce de Dieu, va s'accomplir à mon investiture le palais de rédemption qui verra mon entrée solennelle dans l'ordre de la chevalerie errante. Préparez-vous, la compagnie. Regardez-moi, qui s'en vient là? Pension complète! Poisson des lits! Ombre et soleil! On a tout ça! À bois les pailles, à l'écurie, pour les bidets de notre roi! Préparez-vous! Allez! Les Melkinounes! C'est un client pour vos matelas! Que choisira? Sa seigneurie, des Romains, des Donalda, qui est sec comme du bois mort au premier feu, il va flamber. Il est maigre comme une aiguille au premier coup, il va casser. Fais-tu un coq ou un chapeau, on va y voir au fond des draps. Oh, je te laisse, c'est pas ma taille. Moi aussi, me fais peur, mon bas. Oh non, restez ici, les filles, pas de panique. Que vos grâces ne prennent pas la fuite et ne craignent nulle discourtaisie de ma part. Car, dans l'ordre de la chevalerie que je professe, il n'en convient d'en faire à personne. Et surtout pas des demoiselles de si haut barrage. Mais je m'abuse sans doute. Peut-être êtes-vous de gracieuses dames qui, devant la porte de ce château, folâtrent et prennent leurs ébats. T'es d'où ce qui sort pour parler de même? C'est la première fois qu'on m'appelle gracieuse dame. Ben, moi, ça la manque, on m'appelait torche à cul. Et moi, c'est château-feu. Château-feu, ça nous change! Ce rire inattendu m'étonne.
Il frise l'encre en venance des bouches princières. Oh, mais je ne vous dis point cela pour vous causer de la peine, ni troubler votre belle humeur. La mienne n'étant autre que de vous rendre hommage. Pasteur Charles! Aïe, c'est doux! La compagne! Qu'est-ce qui se passe? Quel garon chauffeur mal les yeux et qu'il trace son même effraie au point qu'il fasse naître le rire? Alors que, si je crois le livre, je devrais attendre en entrant dans ce domaine qu'un murmure d'admiration et de respect. Excusez-les, monseigneur! Nos duchesses sont encore toutes excitées par la surprise de votre arrivée. Que votre grâce m'accorde la grâce de pénétrer dans mon domaine. Seigneur Chatelain, je n'y consenterai qu'à la condition que vous m'amiez chevalier. Car il est dit dans les histoires anciennes que nul ne peut devenir un véritable chevalier errant s'il ne reçoit de l'un de ses pères. En vestiture et à doux moment. Moi, mon affaire, c'est plutôt la daube de bœuf et la soupe au pois. Mais vous avez de l'argent. Mon frère, j'attendais cette question. Sachez que ce mois, je ne porte pas une seule boule. Obéissant à la loi des chevaliers errants, que leur impose de défendre le pauvre, la veuve et l'orphelin par la force de leur froid. Et l'impétuosité de la voix, et non pas l'éclat du vil métal forgé dans les cavernes du diable. Et j'ai bien répondu. À merveille. Je vais donc vous servir une belle petite cérémonie de chevalerie, qui, comme vous le savez, est une initiation gratuite et égale pour tous. Cette initiation se fera en présence des deux nobles dames que vous avez déjà saluées et des autres habitants du château. Voici la princesse du Liseron Cornu, mon épouse. Et le baron Pacte de Bois, le grand merdier de mon empire, le loyal écuyer qui ramasse le crottin de mes chevaux royaux. C'est moi. Et Clotaire. Clotaire ! Ah. Allô ? Voici Don Clotaire, qui trône sur l'empire des marmites, des poêles à frire et des casseroles. Bien, la chaise d'investiture, s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'investiture du seigneur chevalier. Va te mettre en position, ma chérie. Alors, tout le monde en place. Daube de bœuf, soupe au pois, investiture et adoubement. Vous êtes prêts? Le renard a mangé la poule. Le renard a mangé. Le chien a chassé le renard. Le chien l'a chassé. Le cheval a frappé le chien. Le cheval a frappé. Le loup a saigné le renard. Le loup l'a saigné. Le chasseur a tué le loup. La poule a nourri le chasseur. La poule l'a nourri. C'est bien. Ça suffit. Assez comme ça, c'est gratuit. Ça suffit. Allez, monseigneur. Et parcourez le monde en véritable chevalier errant. Mais dites-moi donc, avant de partir, quel est votre nom pour que je raconte votre histoire à mes enfants et mes petits-enfants qui prendront bien du plaisir? Sachez que je me nomme Don Quichotte de la Manche, le chevalier de la triste figure. Et ne vous étonnez pas de cette appellation, car si mon cœur est transporté par la joie de me voir aujourd'hui ami et chevalier, la tristesse ne peut cependant pas disparaître de ma face. Tristesse que me cause les dadans de la belle dulcinée de Tobosso. Dieu vous garde! Ouh.
plus. Non, ici. Non, ici, Emiliane. Au bord de l'eau et vite. Je meurs de faim. Oh, Frisinet, vous êtes un frépon. Oh, Julie, ma belle Julie. Vous m'affolez. Je n'en peux plus. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Une mouche, un moustique, une araignée, une guêpe. Ma chemise. Oh, laissez-moi faire, Hortense, Hortense. Laissez-moi. Mais vous ne profitez pas de l'occasion. M'en croyez-vous capable? Belle Emiliane. Seipesh en la peau, moins douce que la voix. Oh, je suis sensible. Et voyez, comme je croque des dents. Monsieur Charles, flatteur, vous me faites envie, donnez-moi en la moitié, gros cochon. Ah. 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 Que tout le monde s'arrête et gare à Valence, si tout le monde ne confesse pas à l'instant qu'il n'y a dans tout le monde demoiselle plus belle que l'impératrice de la Manche, l'Immaculée Dulcinée du Toboso. Bravo, bravo, ça c'est une merveille magnifique. Bonjour, je connais pas. Où c'est qu'elle travaille, celle-là? Et vous-même, où avez-vous trouvé du si beau linge? J'ai trouvé un bal masqué. Attends, tout le monde! Ah! 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 Rendez hommage sur le champ à la belle, à la céleste Dulcinée. Seigneur chevalier, nous ignorons qui est cette femme dont vous parlez. Si elle est aussi belle que vous le dites... Oui, 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 je vous le jure, nous mes compagnons aussi. Et moi, oui, voilà. Nous aussi, oh, oui. Nous lui rendrons ses hommages. Oui, voilà, certainement. Non, ah ah non. Ce qui importe, c'est que, sans la voir, vous croyez, confessiez, affirmiez, juriez qu'elle était comparable. Sinon, en garde et en bataille, gens orgueilleux et démesurés, je vous attends dans la lice. Et vous ferez convenir par la force qu'auprès de Dulcinée du Toboso, bah, toute autre femme n'est qu'une souillante village. Monsieur, ce que vous dites là est fort insultant pour les impératrices de Castille et d'Aragon, sans compter nos reines de beauté ici présentes. Si vous voulez bien nous montrer un portrait de cette dame, peut-être pourrions-nous vous donner satisfaction. Oui. Je crois même qu'à l'avance, nous sommes si bien disposés en sa faveur que si son portrait nous faisait voir qu'elle a le dos... bossu, les fesses à terre, du poil au menton, les dents creuses, même un œil borgne, du soufre et du vinaigre. Nous dirons à sa louange tout ce qui vous plaira. Belle majesté, camaille infâme. Elle n'exhale que du musc et de l'ambre. Elle n'est ni tordue, ni bossue, mais plus droite qu'un fuseau de Guadarrama. Et vous allez payer le blasphème énorme que vous venez de proférer. Léon? Léon? La guêpe, elle est revenue? Ce sont ces livres, monsieur le curé. Ces livres qui l'ont rendu fou. Monsieur le curé! Mon oncle passait parfois 2 jours et 3 nuits sans quitter sa chambre à lire tous ses livres abominables. Et par moments,
Il se levait d'un coup, il prenait sa lance et il frappait avec contre les murs. Ah, ça! Il lisait beaucoup, monsieur le curé. Ah! Ces livres qui pervertissent la jeunesse et font perdre l'esprit à des gens d'âge mûr comme mon mec, monsieur le curé. Ensuite, monsieur le curé, quand il retombait sur son lit épuisé de fatigue, il disait qu'il avait tué 4 géants grands comme 4 tours. Et la sueur qui lui coulait de partout, il disait que c'était le sang de ses blessures. Puis, il me demandait un grand verre d'eau fraîche, monsieur le curé. Et hop, tout à coup, il était guéri et frétillant comme un poisson, monsieur le curé. Et il recommençait aussitôt à mener la danse, monsieur le curé. S'il y avait un gouvernement en ce pays, monsieur le curé, il faudrait interdire tous ces livres qui troublent la santé des esprits et la tranquillité publique. Adei gloriam et fili sui. Juro et ad juro et conjuro librem quemque. Stirpem venini et maliciorum extirpandum lacerandum destructandum et carborandum esse. Rues Despardion, fils légitime d'Amadis de Gaulle. Au feu! Au feu! Floris Mardir Cali. Au feu! Au feu! Le chevalier de la croix! Un nom aussi saint mériterait grâce. Mais n'oublions pas le dicton. Derrière la croix se cache le diable. Au feu! Au feu! L'histoire horrible du géant Jacques Duchesne qui se révolta contre le prince des Asturies. Bien que le prince des Asturies ait été un tyran sanguinaire, Jacques Duchesne ira au chaudron, car il n'est pas bon d'exalter la révolte. Au feu! Au feu! Les damnés de la terre! N'en dites pas plus! Car les damnés vont en enfer! Au feu! Au feu! Les mystères de l'amour! Le mot mystère mériterait notre indulgence. Mais il y a si près du mystère à la mystification que nous agirons sans faiblesse. D'ailleurs, l'auteur est ontarien. Hein? Si, si. Au feu! Au feu! Désormais, tout livre de fiction, tout écrit capable de séduire, d'exalter, de pervertir, d'aliéner l'imagination des foules, passera par le bûcher de notre saint office. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Ouvrez! Ouvrez! Je viens grièvement blessée. J'ai combattu contre 10 géants, les plus démesurés et les plus formidables qui puissent se trouver à la surface de la terre. Qu'on me porte à mon lit? Votre lit est prêt. Nous saurons bien vous soigner. Où sont mes livres? Quels livres? Vos livres, vos livres. Il n'y en a plus de livres. Le diable a tout apporté! Que dites-vous, le diable? Ce n'était pas le diable, mais... un enchanteur! À cheval sur un serpent à plumes! Il s'est jeté sur les livres en hurlant et... je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais... quand il s'est envolé par la toiture au milieu de la fumée, il a dit qu'il haïssait le maître de livres et qu'il avait voulu lui démontrer sa puissance! Il a aussi dit qu'il s'appelait le Seigneur... Seigneur... Mignaton! Que veut dire Preston? Preston, friton, raton, creton, je sais plus. En tout cas, c'est en ton que finit son nom. Je le connais! C'est Preston, mon ennemi mortel. Un savant enchanteur aux magies redoutables. Il sait par divination qu'un jour, je dois le vaincre en combat singulier! Sans que sa science puisse rien empêcher. C'est pour cela que
cherche aujourd'hui à me mortifier. Mais de l'enfant qu'il ne pourra ni éviter, ni contredire ce qu'a ordonné le ciel. Personne n'en doute. Maintenant, reposez-vous et dormez. Mon oncle, pourquoi vous m'avez voix toutes ces querelles? Pourquoi vous restez pas ici, tranquille, à jouir de la vie, tout simplement? Ma chère enfant, que sais-tu de la vie? Bon, tous les deux, c'est pas le moment de placoter philosophie. Laisse ton oncle se reposer, Antonia. Et vous, monsieur, dormez. Solitude. Le monde dort. Tout le monde dort. Je suis entourée de dormeurs. Mon fidèle écuyer. Écuyer? C'est quoi ça? Comment ça paye? Tu me suivras de par le monde en quête d'aventure. Tu connaîtras la gloire des rois et le trésor de l'immortalité. Oh. Il n'est trésor que bonheur, hein? Et lorsque j'aurai conquis le royaume d'Ultra-Cuclivondus, je te ferai gouverneur d'une île. Gouverneur? C'est bon, ça.
Et savez-vous que ça m'intéresse, ça, gouverneur? Bon, certain que ça m'intéresse. On m'a toujours dit que je manquais pas de gouverne. Hein? Gouverne. Partons, mon ami. Partons, au liqueur. Partons à l'instant même sans éveiller les ennemis du plus impétueux des chevaliers errants. Wow, 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 une minute. Vous avez des ennemis? Beaucoup d'ennemis? La terre en est pleine. Ils me guettent partout. Ils m'attendent à chaque détour du chemin. Et mon état, le chevalier errant, m'impose de les défier tous en combat singulier, de déchaîner sur eux la fureur et les armes, et de leur faire mordre la poussière. Oh, quel carnage épouvantable de ma connaître en étant mon écuyer. Dites-moi, monseigneur, une question, simple question, juste pour savoir de quoi il retourne. L'écuyer d'un chevalier errant, est-ce qu'il est obligé, lui aussi, de faire tout ce que vous dites là, le carnage épouvantable, la fureur des chemins, la poussière qui mord et les détours singuliers? Hélas, non, mon bon ami. Rien ne t'y oblige. N'en sois pas trop découragé. Oh, pas découragé, pas en doute. À moins que tu ne veuilles recevoir l'investiture d'écuyer errant. Oh, auquel cas, tandis que je me battrai avec le maître, tu te battras avec le valet. Oh. Je pense que ça peut attendre. Qui veut aller loin ménage sa monture, hein? Va, va chercher ton coursier et t'apprête à me suivre. J'ai une femme et des enfants. Oh, quitte ta femme, quitte tes enfants. Bientôt, ils seront puissants et honorés grâce à l'île dont tu seras devenu le prince gouverneur. Puissant et honoré. Quoi ris-tu? Oh, parce que je pense. Penses-tu? Ben, une chose comique, hein. Laquelle? Mais je pense que si je deviens prince gouverneur, ma ménagère, ma Teresa Maria Gutierrez, deviendra princesse gouverneuse. Certes. Eh bien, ça, c'est comique. Non, mais attends. Maria Teresa gouverneuse. Et mon gamin, gouvernaillant. Oui, ma fillette gouvernaillette. Ah, ça, je peux bien vous le dire, c'est comique au bout. Ne rapetisse pas ton esprit, mon brave. De grandes choses nous attendent. Allons, hâte-toi, nous partons. Correct, je vais chercher ma monture. Comment t'appelles-tu? Sancho Panza. Oh, mon âme, exalte-toi. Me voici donc pourvu d'un écuyer servant. Nul n'égalera jamais la gloire de Don Quichotte de la Manche, de Rocinante, son noble palefroy, et de Sancho Panza, son écuyer valeureux. Et de son âne grisant. Allez, de son âne. Et de son âne grisant, le fruit de mes entrailles, le chouchou de mes enfants, les délices de ma femme, future gouverneuresse, hein, et le compagnon de tous les plaisirs et de toutes les fatigues de ma vie campagnarde. Je ne sais si dans les romans anciens, il s'est déjà trouvé un écuyer de chevalier errant monté sur un âne. Mais c'est sans doute le destin qui nous attendait. Pour écrire un nouveau chapitre au livre immense et éternel de la chevalerie. Certain. En avant. Le monde est à nous. Allez. Ma fortune conduit nos affaires mieux que ne pourrait y réussir notre désir même. Ia! Regarde, ami Sancho! On a devant nous au moins 30 démesurés géants! J'ai dit 30 démesurés géants! Auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu'ils sont. Où ça? Là devant nous, te dis-je! Avec leur dépouille, nous commencerons à constituer notre trésor de guerre, car il est acte légitime de s'enrichir du butin enlevé à l'ennemi. Et c'est grandement servir Dieu que de faire disparaître une si mauvaise engeance de la surface de la terre. Quel géant! Ce que tu vois là-bas, avec leurs grands bras, prêts à brandir leurs armes fabuleuses! Excusez-moi, monsieur, ce que nous voyons là-bas, c'est pas des géants, c'est des moulins à vent, et ce qui paraît leurs bras et leurs ailes. Quand il y a du vent, elles tournent, et en tournant, elles font tourner la pierre du moulin, ce qui produit de la farine, hein? Car, comme dit le proverbe, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ha! On voit bien que tu n'es pas expert en fait d'aventure, ami Sancho. Ce sont des géants, te dis-je. Donne-moi ma lance. Monsieur! Donne! Ah!
Et si tu as peur, ôte-toi du chemin. Va te mettre en oraison sur quelque tertre, tandis que je livre à l'ennemi une inégale et terrible bataille. Le vol se lève, approchez-vous pas, vous allez vous faire couper la tête. Lâchez l'île, gardez-vous de fuir. C'est un seul chevalier qui vous attaque. Mon maître, jouez pas au fou. C'est des moulins à vent. Si vous ne pouvez pas ça, c'est que vous en avez d'autres dans la tête. Poltron maudit, quand même vous remueriez plus de bras que le géant Briaré. Vous me verrez sur le champ, le rançon de votre quartier. Miséricorde. Ça n'a pas de bon sens! Paix, mon bon Sancho. Les actes de guerre sont sujets à des chances continuelles. Le savant Freston qui a volé mes livres a transformé ces géants en moulins pour m'enlever la gloire de les vaincre. Mais où sommes-nous, Sancho? Viens-t'en! Restant l'enchanteur me poursuit, en déchaînant sur moi le brouillard de ses illusions. Mais il importe, car j'ai pour moi les lumières de la vérité et l'amour incorruptible de la belle, de l'incomparable Dulcinée de Toboso. Aidez-moi, faut clairer la place. Bonsoir. Excusez-nous, aussitôt que je pourrons. Reprendrons la suite des aventures de Don Quichotte et de Sancho Panza. Merci.